Salut à tous, c'est Kuzari et aujourd'hui on est reparti sur Space Engineer. Alors, il y a eu 2-3 modifs, donc là j'ai creusé tout au long jusqu'au trou que j'ai fait pour faire le couloir. Donc comme vous pouvez voir, le trou il est immense pour l'instant, on va pouvoir l'agrandir un peu plus. Histoire de pouvoir faire une plateforme pour fabriquer notre vaisseau. On creusera vers le haut histoire de faire des grosses portes de hangar pour qu'on puisse sortir. Et j'ai modifié ici, donc là. J'ai agrandi, j'ai fini de meuler, j'ai mis les petites couleurs ici, hop, un petit plafond, j'ai changé les couleurs ici, j'ai mis en blanc, ça fait un peu plus sympathique. Donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer de se faire un petit vaisseau mineur automatique, qui va aller choper de la glace et de la terre en même temps, hein, pour nous faire des minerais. Un petit peu, du coup là ce que je ferai, c'est que je ferai un petit connecteur qui partira d'ici, hop, qui va remonter comme ça, et comme ça on en aura un autre qui pourra se connecter. Parce que lui, c'est juste surtout du transport, et le minage avec lui, ce sera pas pratique. Alors, pour le construire, par contre, ouais, je vais devoir me faire un petit... On va déjà se choper un pied, déjà ça pourrait être pas mal, hop, pas un aussi gros. Oula. Vous voyez, plus proche que ça. Donc voilà. Bah, c'est assez long hein, de faire la base, de tout creuser, de tout. J'ai pas envie d'un pied comme ça, je veux un pied classique. J'aurais juste aimé, hop, leur mettre un petit. Voilà. Donc là, on s'en fout du pied. Ce que je veux, c'est travailler en hauteur, du coup, pour pas être gêné. T'en vas pas. Être sûr et certain parce qu'il va y avoir les foreuses en dessous aussi, donc faut pas que ça touche nulle part. On va faire un truc assez large mais pas trop non plus, ça pourrait être pratique. Alors voilà, là ça devrait toucher nulle part, peut-être un petit risque ici, on va se décaler pour être tranquille. Voilà, alors, on va commencer, du coup, je vais mettre par les convoyeurs. Alors, les convoyeurs, on va mettre, c'est cela. On est bien là, hop. Ouais, je sais pas si je vais mettre cela ou non, du coup. Ou alors je la fais en gros. Je la fais en gros directement. Allez, on va faire comme ça. Allez, voilà. Du coup, on veut partir d'un convoyeur. Je vais prendre, hop, les foreuses. Voilà, on va prendre une petite foreuse. On va la mettre là. Donc, une foreuse ici. Une foreuse. Si j'arrive ici, et j'aurais peut-être dû commencer par une foreuse. Bon, on va commencer par une foreuse, comme ça, ce sera le bout. Hop, voilà, foreuse, convoyeur, foreuse, foreuse, hop, voilà. On va partir comme ça. On va mettre convoyeur, 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 convoyeur. Hop. Une foreuse, une foreuse. Une foreuse ici. Non, pas comme ça, merci. Comme ça, comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Il y aura bien. Là, là. Et là, je pense qu'il sera assez large après. Pas besoin d'aller plus large. Ça fera déjà un beau bébé. C'est quoi, c'est pas une foreuse hein, qu'il y a là. Faut que j'en mette une ici. Voilà. 8. Parfait. Voilà,
Alors, on va mettre les foreuses. Parfait. Voilà. Et ça prend une sacrée foreuse déjà. Allez, voilà, ça prend une sacrée foreuse déjà. J'espère qu'elle sera pas trop grande, que j'ai pas vu trop grand. Mais au moins, ça minera pas mal. Donc déjà, on va essayer de se faire ça avec la petite soudeuse. Donc on va essayer de se mettre pas mal de choses dedans. On va essayer de voir ce qu'on a. Alors, hop, on va faire vaisseau. Ici, hop. Donc dans le cockpit, on peut rien mettre. Chalumeau, on peut rajouter des plaques. On peut rajouter des plaques là aussi. On va en mettre un peu plus là. Alors, on va rajouter tout ça, des moteurs, des petits tubes, des gros tubes, un peu d'affichage. Voilà, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore des moteurs, encore des gros tubes. Ça, ça. Parfait. J'espère qu'il y aura assez, sinon on fera un aller-retour. Hein. On va essayer de pas trop blinder non plus. Alors, on va déjà essayer de se faire un petit aller-retour. Allez, parfait. Et il a du mal à tourner du coup. Malgré qu'il a trois gyroscopes. Ouh, est-ce que je vais passer là? Juste, hein. Fallait pas mieux. Par contre, je passe plus dehors. J'ai un petit souci là. Je ne passe plus là. Il peut pas tourner, il veut pas. Allez, j'ai réussi à sortir en me mettant carrément à la verticale comme ça et en longeant les petits, le petit poteau qu'on s'est fait. Donc on va essayer d'aller là-dessus, de souder le max. Je pense pas qu'on ait tout, ouais voilà, on est loin de tout avoir. Hein. On va faire le maximum. Allez, c'est déjà super long comme ça, alors j'imagine pas à la main ce que ça aurait été. On va essayer de se mettre comme ça, de les faire 3 par 3. Voilà. Allez, parfait. On regardera après ce qui manque. Ouais, on va vider le maximum de ce qu'il y a dans le vaisseau. Allez, j'ai déposé tout ce que j'ai pu. Allez, on va regarder ce qui nous manque un peu. Des grands tubes, des moteurs, des compos. Grands tubes, compos, plaques d'acier. Ouais, il manque un peu de tout encore. Alors, ce qu'on va faire. On va pas se faire chier à rentrer là-dedans, là. On va mettre lui, hop, on va l'avancer un peu, voilà, et lui en attendant, on va le mettre à la place et on va récupérer tout ce qu'on a besoin. Allez, c'est parti.
Parfait. Alors. Donc, ici, on va faire le vaisseau, voilà. Parfait. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on en a? Oui, on en a. Un petit peu. Des plaques. Hop. Ça devrait faire des... un peu de grands tubes. Il manquait aussi des petits tubes. Hop. Des petits tubes. Ça, j'ai pas regardé s'il nous en fallait. On va reprendre quand même. Je pense qu'il nous en faut pour... Voilà. Et on n'a pas assez du reste. Alors. Fais-moi un peu de ça. Fais-moi du grand tube, s'il te plaît. Du petit tube. Ouais, un peu de compo encore. On n'a plus assez de fer déjà? Ah, ça va être compliqué ça. Par contre, si on n'a plus assez de fer, va falloir aller en rechercher. Il nous faudra des moteurs aussi. Bon, bah, je pense qu'on n'a plus de fer. Plus du tout. Même plus un gramme. Bon, allez. Je vais prendre l'autre vaisseau. Et on va aller chercher la tonne de fer dans notre base là-bas. Bon, au final, on va pas se faire chier. Je viens de voir en montant dans le vaisseau que j'en avais plein dans le vaisseau tout court. Ouh! J'ai appuyé sur quel bouton là? Oh, je me suis planté. J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts. J'ai appuyé un bouton qu'il fallait pas. Les amortisseurs inertiels. Hop. Voilà, alors, on fait ça. Donc voilà, j'en ai plein ici. On va aller sur la base. On va les mettre dans un conteneur. Heureuse, non, on s'en fout. Grand conteneur, voilà. Cockpit. Ici, on veut que le vaisseau. Et... Voilà, on en a 175 tonnes, là. Du coup, oui. Dans mon inventaire... ouais, non, faut peut-être que je relance la production. Alors, on avait dit quelques... comme ça. Des comme ça. Un peu de comme ça. Un petit peu de comme ça, même si on en a encore. Des moteurs. Des plaques. Ah non, je peux pas en faire des plaques. Faudrait que j'aille choper du cobalt. On va refaire du comme toi. Parce qu'il en faut pas mal quand même. On va en faire 2000. Ça, non, c'est bon. Les plaques de fer, faut qu'on en repasse. On va en refaire. Voilà. Un peu de composants. Et ça devrait être bon. Alors, le vaisseau, c'est là. Donc, normalement, j'ai plus rien ici. On déverrouille. Voilà. On prend toi. Et on t'y remet. Remonte s'il te plaît. Hop. Autre sens, merci. Voilà, parfait. Alors là, donc on a du vaisseau ici. Ça, tu viens là. Là, les petits moteurs, on devrait en avoir assez les moteurs, ça c'est bon. Un peu de composants. Les plaques, on va en avoir besoin. Composants encore. Mince, j'ai piqué dans l'autre. Ça va pas le faire. Toi aussi, t'es dans, dans notre truc. Là. Voilà. Quand même un petit peu. Tu mets le reste de ça. Tu mets quelques plaques ici. Quelques plaques là. Du grand tube, du petit tube, encore quelques plaques, et comme ça, ça devrait le faire. Grand tube, et là, il faudrait qu'il nous fasse, voilà, les gros tubes. On en a un gros paquet, normalement. 105, 150 ici. Non, mets-moi celle-là, s'il te plaît, merci. Donc là, ça devrait...
Allez, on va aller voir ça. Déjà, pour voir ce que ça donne. Allez, parfait. Nickel. Ça sera bleu du coup. J'ai oublié de changer la couleur. Après, si vous avez une préférence pour la couleur du vaisseau, n'hésitez pas à me le dire. Là, on avance les petites foreuses. Franchement, là, ça avance pas mal grâce au vaisseau. Comme ça aussi. Comme ça, on fait les 6 d'un coup. Parfait. On aurait déjà fait une rangée complète. Voilà le grand tapis de foreuse du coup. Donc là-dessus, on va essayer de mettre des conteneurs. J'ai des conteneurs. Du coup, on va prendre les gros. Vu la taille, de toute façon, il faut bien ça. Alors, si je te mets un là. Ah, il me faut des plaques intérieures. On va essayer de choper ça. Voilà. Alors, on recommence. Donc, on va voir si je peux y mettre ici. Non. On va bien y mettre sur celui-là. Comme ça. Et comme ça. Comme ça, ça laisse un peu de... sur les côtés. Là, pareil. Comme ça, ça en fait 4 gros. Je sais pas si ça va les supporter. Mais au moins, on va poser ça là, ça. Allez, on va faire le plein de lui, on va mettre un peu de tout. C'est surtout quoi qu'il faut ici. C'est surtout des plaques intérieures. Il faut un peu de tout. Voilà, alors. On est reparti, donc là c'est bon. Donc, conteneur, il nous faut... un peu de ça, un peu de ça, pas mal de ça, pas mal de ça. Ah, il va me falloir des grilles aussi. Je sais pas si j'en aurai assez des grilles. On est ici. Ah, mais c'est celle que j'ai sur moi déjà. Et j'en ai plus d'autres, donc va falloir que je chope quand même du. Un peu de cobalt. Il y a des ordi ici. J'ai que ça en... J'ai pas produit d'ordi... Ah ok ouais, c'est parce que j'étais en train de faire ça. Il va même pas avoir des ordi. Je vais aller... Ah tu vois, elle est là. On remet ça là. Parce qu'il en faut pas mal. Moi aussi, il en faut pas mal. Des petits tubes aussi. Ça fera pas de mal. Allez, on va déjà voir que ça nous permet de crafter. Est-ce que je peux en faire au moins un? Oula, même pas. Même pas un. On regardera ce qui manque. Et là, même pas de quoi en faire. Ouh, j'ai cassé un truc, non? Ouais, j'ai vu un truc voler. Ok, ça a bien avancé sur ça. Ça a bien avancé sur ça. Ok, on va redéposer toi ici. Hop. On descend, on descend, descend. Et oui, j'ai bien cassé un truc. On va aller voir ce que c'est après. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai abîmé? Ça doit être un moteur, non? Ouais, c'est lui. Ah, c'est pas le moment d'abîmer des moteurs. Surtout celui-là, c'est celui pour freiner. C'est important. Voilà, eux, ils ramassent quasiment pas, alors que c'est ceux qui sont le mieux exposés. Donc voilà, on va voir ce qui manque pour lui. Ah, c'est les grilles. Les grilles... Les grilles et les grilles.
Bon, je vais partir avec lui et je vais aller chercher le cobalt cette fois. On va bien faire l'aller-retour parce que je suis sûr de ne pas en avoir. Alors voilà, on va pouvoir récupérer du cobalt ici, ici. On va récupérer le fer en même temps, enfin tout ce qu'il y a. Hein. D'accord, il n'y a pas énormément de cobalt, mais en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer poreuse, rotor et piston. Il est dans l'inventaire, le conteneur. Celui-là, on va le laisser se remplir. Là, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. On a un petit peu de fer qui est arrivé. Petit conteneur, on a eu du fer. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas de grille, par contre. Pas de grille déjà faite. Ok. Donc, le vaisseau, ok. Ce que je vais prendre, on va prendre un peu de fer. Peut-être pas tout ça. On va peut-être faire un peu beaucoup. On peut en prendre une grosse quantité. On va prendre ça aussi. Ah, je suis à fond là. Voilà. Un peu de gravier, ça peut être utile pour les explosifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça commence à se remplir, ça y est. Allez, un petit peu de plaque. Un petit peu de plaque. Ok, ça c'est rempli. On va faire un voyage à vide, hein, tant qu'à faire. Un peu de fer encore. Encore du fer. C'est plus rentable le fer de ramener, parce qu'au moins c'est plus léger, on peut en ramener plus que les composants. Voilà. Bon, pourquoi je me fais chier? J'ai juste à faire ça. Alors, on va laisser un petit peu de marge. On a du cobalt. C'est déjà pas mal. Allez, moi je vais laisser ça se remplir. Allez, normalement j'ai ramené le cobalt, j'ai lancé la production. Oui, c'est bon, on a ce qui, on devrait avoir ce qu'il faut. Enfin, j'espère. Ok. Oh, je peux pas en mettre plus, d'accord. Allez, on va finir celui-là. Parfait. Oh, si on pourra remplir tous ces conteneurs. Hein. On réglera ça, on verra. Ah, il en manquait 10. 10 petites grilles. Hop, on prend ça. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a ça. Maintenant, il me faudrait des gyros. On va se placer les gyros, ce sera fait. J'ai pas ce qu'il faut, je pense. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour les poser. Pour les peser. Pas pour les peser, mais pour les poser. Hop. Ben voilà. Alors, est-ce que je les poserai pas ici? Je sais pas où je vais les mettre. Si je les mettais entre ici, il risque rien. On va en mettre 4, allez. C'est parti. Oula, oui, il faut pas. J'arrive plus à parler, il faut pas mal de matériaux là. J'aurais sûrement rien posé. Voilà. Toi. Et normalement, on en a 4. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on se finit ça. Voilà. 4 gyroscopes. Au moins, on a de quoi faire la rotation. Bon, maintenant, il nous faut des propulseurs. Alors, les propulseurs, on va prendre ceux-là. Ils vont être immenses, ceux-là. Ils sont peut-être un peu trop gros. À la base, je voulais y mettre là, mais le problème, c'est qu'avec les foreuses, ça va pas marcher. Non, je peux toujours y mettre ici, comme ça, à la place de faire.
Allez, excusez-moi, il y a eu une petite coupure pendant l'enregistrement, mais j'ai pu le remettre, c'est bon. Donc on va mettre un moteur là. Ah bon, vous avez compris le principe, je pense. On fera tout le tour comme ça. Donc, hop, un ici, un là, un là. Allez, c'est parti. Allez, on va finir celui-là. Et ce sera le dernier pour l'instant. Voilà, comme ça, il y en a tout autour. Je sais pas si ça va suffire à lever tout le poids. Hein. Mais il y en a déjà pas mal. On pourra peut-être en rajouter par-dessus, selon comment on monte. Parce qu'il va en falloir, en plus, il va en falloir là. Pour en mettre un là-bas. Pour tourner, ouais, ça va être compliqué pour avancer aussi, il va en falloir. Je vais faire un truc assez étrange. On va prendre ça. On va déjà chercher des plaques de fer. Voilà les plaques de fer. Donc, je vais avoir une idée assez bizarre. Il va falloir que je me garde aussi un pour le. Là, il va falloir que je me fasse un chemin. Attends. Attendez, on va regarder ça. Des convoyeurs, convoyeurs, convoyeurs. Il me faut cela. Donc on va prendre ça. Parce que j'ai. Ouais, parce que j'avais stocké des trucs dedans. Ouais, comme... Voilà, comme ça je vais me faire ça, 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 ça. Parce que je vais me faire un petit chemin entre tous. Comme ça. Et le problème, c'est que je pourrais pas être vraiment au milieu. Bon, bah tant pis. Je voulais mettre le connecteur ici. Je ne peux pas. Bon, on va le mettre là. Hein. Connecteur, on va le mettre ici. Et je peux pas le mettre non plus au milieu là. Donc il va monter comme ça. Voilà. Et là, il y aura le connecteur. Donc déjà, on va souder tout ça. Bon, voilà. Allez, on va continuer dans mon idée. Ce que je voulais faire, est-ce que j'ai mis des plaques là? Ah, j'ai encore ça dessus. Oui, parce que j'ai cassé mon chalumeau. Je fonçais trop vite. Ici, là. Donc voilà, je voulais faire une sorte de plateforme supplémentaire. Où je pourrais mettre le moteur sur le côté, là. En plus. Alors, on va faire... J'ai perdu mon bouton. On va faire... Hop. On va faire tout le tour, comme ça. Comme ça, je pourrais poser des moteurs tout autour. Même si c'est pas très joli, moi ce que je veux, c'est que ce soit efficace, surtout. Après, le reste, c'est pas très important. Surtout au début, là. Pour le vaisseau spatial, on fera un peu mieux. Donc voilà. Donc là, on aura ça. À l'intérieur, on aura les batteries. Parce qu'il va en falloir un tout petit peu, quand même. Bon, on peut mettre à la place de ça. Donc là, on va en mettre ici. Faire un petit mur de batterie, voilà. Je verrai pour les... Ouais, si je peux encore en mettre là. Comme ça. Ça devrait le faire. Voilà. Donc j'ai déjà tout ça à crafter. Je vais poser donc les moteurs. Donc je les ai enlevés. Donc, on avait pris cela. Ici. Et on prend la taille en dessous. Et on fait en intervalle par rapport à ceux d'en dessous. Non, pas ici. Là, on verra après pour ce qu'on mettra ici. Hop. Comme ça. Parce qu'il va falloir qu'il soulève tout ce poids quand même. Ici, je peux en mettre 2. 3. On peut en mettre là. Comme ça. Encore un ici. Voilà, j'espère que ça suffira. Deux étages de propulseur. Non, ce que je ferai, hein, je ferai un tour de plus ici avec propulseur là, là et les poses autour et
pour agrandir un peu tout ça. Donc j'aurai tout ça à construire là déjà. Donc là on est pas mal. Ouais, je mettrai des propulseurs ici pour pousser. Ici, non, je peux pas. Ici, ici. Là, on en mettra pour tourner. Ici pour pousser. Un ici pour pousser dans ce sens. Ça en fera pas beaucoup par contre. Bon, on va les empiler au pire, hein. C'est pas bien grave. Là sur les côtés, là-bas aussi sur le côté. Et je pourrais peut-être en poser un là. Et là, on va mettre peut-être le cockpit. Faudrait peut-être qu'on regarde où le mettre. Le cockpit. Place de ça. Cockpit. Ici, je le mettais là-dessus. L'avant, comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Là, on mettra le connecteur, du coup. Voilà, parfait. Et voilà. Bon, ça donne à peu près le point de vue général de cette foreuse. En espérant que ça suffise, tout ça. Pour pouvoir la soulever. Sinon, comme j'ai dit, je rajouterai hein, des propulseurs. S'il en faut un peu plus. Et si je pourrais en mettre là. Ouais, je peux encore en mettre ici, d'ailleurs. Hop. Voilà. Deux de plus. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal comme ça. Allez, j'espère que ça suffira. Bon, pour cet épisode, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour continuer la construction de ce mineur. Et on l'automatisera aussi. Enfin, on va essayer parce que je ne l'ai jamais fait. Et ce serait bien pratique pour une base comme ça, pour se fournir en glace et autres, hein, en minerais et autres, on verra. Allez, à la prochaine !